Et bonsoir à tous. Enfin bonsoir, il est 17h, encore l'après-midi, c'est bon. Bonjour à tous. Alors, est-ce que tout est bien? Tout va très bien, Navette. Parfait. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bienvenue sur ce live, jeu de société, horreur à Arkham. Et oui, ça faisait longtemps. Baissons un petit peu de musique. Ah, on est pas mal là. Bonjour et bienvenue dans ce live Horror Arkham. Cela faisait longtemps. J'ai pas fait de partie de Horror Arkham depuis un mois et demi à peu près. Et j'avais envie de m'y remettre. Et j'avais envie de faire un truc que j'ai toujours pas fait alors que j'ai la boîte depuis super longtemps. J'avais envie de me replonger dans la route de Carcosa en faisant pour la première fois le renouveau de la route de Carcosa. Parce que voilà, c'est j'ai la boîte renouveau depuis un moment, hein, mais j'ai fait la campagne une fois en Vanilla. J'ai jamais pris le temps de refaire la campagne en renouveau. Et c'est ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui. Donc sans plus tarder, nous allons directement passer à la bonne scène. Oh, regardez-moi cette scène. Elle est belle cette scène, elle est belle cette boîte, regardez-moi ça. La route de Carcosa. Donc la campagne avec The Big H. Le grand H, le roi, le monsieur Jaunis, le Simpson. Je veux bien sûr parler de Astur, le roi en jaune. Donc, ce live va être spécial. J'aime pas ce mot. Dans ce live, ce que nous allons faire, surtout c'est comme vous pouvez le voir ici, nous allons construire les decks de la campagne. Je vais jouer en solo avec deux personnages et nous allons construire les decks. Peut-être que nous allons faire le premier scénario, peut-être pas. On verra le temps qui nous restera, on verra le temps qu'on a pris. Mais avant tout, le principal c'est ça va être de créer les decks qui vont nous servir pour ce scénario. Et il faut qu'on réfléchisse. Quel personnage on va jouer sur la route de Carcosa? Alors, comme souvent, comme tout le temps, j'ai envie de dire, il va me falloir deux archétypes. Il va me falloir un Clover et un Damage. Donc un gars qui fait des dégâts et un gars qui prend des indices. Moi, ce que j'aime pas quand je joue en duo, c'est de faire un truc bateau avec un chercheur jaune et un gardien bleu pour faire des dégâts et prendre des indices. J'ai envie de changer, de faire des alternatives. Aussi, je veux jouer un personnage vert lors de cette campagne. On peut déjà commencer par regarder un petit peu ce qu'il y a comme personnage vert. Mon but, moi, c'est d'abord de commencer... Enfin, c'est d'abord de jouer un perso vert, donc un rogue. Après, en dégâts ou en indice, ça, je ne le sais pas encore. Mais il faut réfléchir. Le truc, c'est que si je pars avec un indice vert, c'est chaud de faire un mystique... Enfin, si je pars avec un dégât vert, c'est chaud de faire un mystique chercheur d'indices. Ou peut-être un rouge chercheur d'indices. Qu'est-ce qu'on a? Pour chercher des indices là-dedans, qui on a? Bob Jenkins, à la limite. Ah bah non, si, il y a Darrell Simmons. Ça, c'est malin, ça. Darrell Simon. En plus, bah, ça rentre dans le délire, parce que Darrell Simon, il aurait été invité à la représentation du roi en jaune. Ouais. Donc on sait déjà qu'on va jouer Darrell Simon. En cherchant un disant, c'est-à-dire qu'il nous faut quelqu'un qui fait des dégâts en vert. Qui avons-nous? Qui avons-nous qu'on n'a jamais joué, qu'on trouve intéressant? Bah, j'avoue que, de prime abord, j'aurais tendance à partir sur Tony Morgan. Je sais que c'est un excellent dégât, mais je ne l'ai jamais joué. J'ai jamais joué Tony Morgan de ma vie vécue. Et du coup, j'ai envie de voir de quoi il en retourne. Donc, nous allons prendre Tony Morgan et on va réfléchir un petit peu sur son deck building et comment il fonctionne. Alors, Tony Morgan, il vient avec plusieurs éléments. Donc, le voilà.
Donc, 2 de tête, 3 de livre, 5 de poing et 2 de pied. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour qui ne peut être utilisée que pour engager ou combattre un ennemi avec au moins une prime sur lui. C'est un chasseur de primes donc. Hop. Quand j'aurai trouvé cette bête, je la terrasserai pour de bon. 9 PV, 5 de santé mentale. Très bien. Donc, taille de deck 30. Choix d'une classe secondaire. À la création du deck, choisissez gardien, chercheur ou survivant. Carte truand de niveau 0 à 5, carte honneur de niveau 0 à 5, jusqu'à 10 cartes événements et ou compétences de niveau 0 à 1 de la classe secondaire choisie. Ok, juste événements ou compétences. Très bien, donc effectivement en termes de dégâts, j'aurais tendance à partir sur un gardien. Peut-être un survivant, il faudra regarder un petit peu ce qu'il y a chez les survivants. Très bien, et donc du coup il vient avec tête mise à prix, qui est un permanent. Ok. 6 primes. Après qu'un ennemi est entré en jeu, déplacez une à 3 primes de tête mise à prix vers cet ennemi, jusqu'à un maximum égal à la vie de cet ennemi. Ok. Après avoir vaincu un ennemi avec au moins une prime sur lui, déplacez ces primes vers votre réserve de ressources en tant que ressource. Ok, donc on gagne de l'argent. Donc on a plus 6 ressources dans une partie. On n'a pas moyen de récupérer des primes là-dessus, peut-être avec ça. Donc on a 2 pistolets. On a 2 38 Colt de Tony. Oups. Pas. On a 2 38 Colt de Tony. Donc, après avoir joué le point 38 Colt de Tony, jouez gratuitement un autre exemplaire du point 38 Colt de Tony depuis votre main. Oh, ah ouais, donc si on a les deux en main, on dépense 3 ressources et SBLA! Il y a deux qui tombent. Alors, pour une action, dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus 1 point pour chaque prime sur l'ennemi attaqué. Cette attaque inflige plus 1 dégât. Si cette attaque va à un ennemi, avec au moins une prime sur lui, placez une prime sur mise. Ok, donc on peut régénérer. On peut régénérer les primes avec ça. Et ça, c'est cool. Donc le but de Tony, ça va être d'engager des ennemis, de leur mettre des primes dessus, de les buter. Et du coup, on a notre faiblesse qui est la proie de Tony. Génération lieu le plus éloigné de Tony, après l'entrée en jeu de la proie de Tony, placez une fatalité sur elle, ensuite placez une ressource prise dans la réserve de pion en tant que, sur elle en tant que prime. Il est distant. Ouais, donc l'emmerdement avec ce monstre, c'est qu'il il fait de la fatalité. Très bien. Ok, et ben c'est un délire qui me plaît, ça. Donc un chasseur de prime. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer? Va falloir que je retire des machins de la table. Hop. Pendant ce temps, on a du Sonic dans le fond. Ça, c'est beau. Dans quel sens il est? Non, celui-là, je sais jamais dans quel sens il est. Celui-là. Tac. Parce que j'en ai ici. Parfait. Alors. On a Tony avec ses colts, sa tête mise à prix et sa faiblesse. Première étape, il nous faut des armes. Quoique on a deux colts, est-ce que c'est vraiment utile? Il faut quand même des armes, je pense. Ne serait-ce que pour... pallier au fait qu'on va pas forcément piocher directement nos colts. En termes d'armes vertes, il y a quand même le Mother 96 qui est vraiment une très bonne carte. C'est un soutien arme à feu qui coûte 4. Il arrive avec 5 munitions et on dépense une munition pour combattre, on gagne plus 1 point et plus 1 dégât. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, soit on redresse le Mother, soit on gagne une ressource. Donc, it's good. C'est encore une fois du gain d'argent. Gain d'argent, du gain d'utilisation, voilà, ça fait des dégâts. On aime le Mother. Et je vais changer de BO. Je sais que cette BO là elle est pas strikée sur nulle part. Il y a que le 2, il n'y a pas le 2 et le 3. Non bah s'il y a que le 2, on va mettre que le 2, c'est pas grave.
Hop. En aléatoire, s'il vous plaît. C'est parti. La BO de Time Splitter 2. Voilà, on la met un peu plus fort. Parfait. Trousse de cambrioleur. Pour gagner des ressources. On a combien de pieds? Mais ça sent, c'est ridicule, ça, on n'a pas besoin. Voilà, on a 3 de livre et 2 de pied, donc ça sert à rien. Ces munitions, on combat, on gagne plus de points. Non. Bon, déjà le Mauser. Le Mauser, ça c'est plus ou moins acquis qu'on prend le Mauser dans le tech. Votre règle ne peut inclure qu'un seul exemplaire parti de chaque carte, à l'exception des cartes faiblesses et des cartes spécifiques. Diminuez de 5 la taille de votre deck. Je suis pas convaincu. Ça peut être vraiment très intéressant quand tu veux un deck précis avec juste des cartes vraiment très précises. Mais je suis pas ultra convaincu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le loup solitaire pour gagner de l'argent. Courage liquide, ça va être pour regagner de la santé mentale, mais... Voilà, c'est quand même un double tranchant, surtout ça demande de la tête. Et moi j'ai que 2 en tête, donc ça sert à rien. Ça sert à rien de penser à ça. Si j'étais ça, on a quoi? Ah si, pour l'instant on peut s'en passer. Enfin moi je peux pas m'en passer, vous pouvez vous en passer. Mais moi je peux pas m'en passer. Après avoir échappé à un ennemi, on compte pas échapper aux ennemis. Par contre, commencer les tours tout seul, ça c'est possible vu qu'on joue qu'à 2. Donc effectivement, avoir au moins un loup solitaire est intéressant. D'ailleurs, on va pouvoir retourner rapidement voir les alliés aussi. Les tuer à cigarette. Évidemment, les tuer à cigarette. En termes d'alliés, qu'est-ce qu'on veut ici? Ben, on veut Léo. On veut ce cher Léo. Et alors Loni a fait quoi? Choisissez un soutien objet contrôlé avec... Donc en gros, ouais, elle peut juste soigner donc l'armure. Et là, c'est le seul truc qu'elle pourrait soigner, vu que même si je prends dans une autre classe, ce sera que les compétences et les événements, donc c'est pas nécessaire. Donc Loni est pas utile pour ce deck. Dario donne de l'argent, mais il donne plus un de livre et plus un de tête, ce qui est pas nécessaire pour notre personnage, ici. Je peux empêcher les attaques d'opportunité, mais c'est pas. Mais je compte pas laisser les ennemis faire des attaques d'opportunité. Darrell a quoi comme stat? Darrell a 2, 5, 2, 3. Bon, ça sert à rien de lui refourguer les tests de tête. Parce que je suis en train de fuir pour ça. Je peux lui refourguer les tests de livres, mais il y a très peu de tests de livres. C'est surtout les tests de tête et de pied qu'il y a. Et on est tous les deux dans le même pâté. Donc c'est, je sais pas si c'est réellement rentable hein, pour une fois de mettre cette carte là dans le deck. Échapper, ça on s'en fiche. Dieu reconnaîtra les siens. Laissez Dieu les trier. À la pile de victoire est terminée immédiatement votre tour. Quand vous recevez de l'expérience, vous recevez un point d'expérience supplémentaire. Ah oui, d'accord, donc c'est juste gratter de l'XP en plus. Ok. À jouer quand un ennemi effectue une attaque d'opportunité contre vous, gagnez cette attaque, vous gagnez plus de votre verre de compétence pour le prochain test. Ça c'est déjà plus intéressant que dissimulation pour notre personnage. Mais de là à le mettre dans le deck, je suis pas certain. Échapper avec succès, on s'en fiche. Taper dans la fourmilière, ça c'est peut-être intéressant.
Cherchez un ennemi non élite parmi les 9 cartes dessus de l'écran compte et générez-le engagé avec vous au lieu de son lieu de génération en normal. Ensuite, découvrez un indice dans votre lieu et gagnez X ressources excédant la valeur de vie de cet ennemi. Ça, ça peut être vraiment intéressant. Parce que nous, on veut générer des ennemis, justement. On veut taper, on veut générer des ennemis. Donc, je vais mettre ça de côté. On peut avoir des trucs intéressants avec ça. Et puis, là, en termes de cartes qui coûtent cher, pour l'instant, on a le Mother et on a Léo. C'est quand même peu de soutien, tout ça. Faudra peut-être aller chercher d'autres soutiens après. Je verrai ça. Partir en éclaireur, ça peut être utile pour aller sauver Darrell si jamais un gros mob vient de popper. Donc ça, ça permet d'avoir du mouvement. Après, il faudra regarder un peu comment on tourne le deck derrière. Que c'est pas mal. Rien d'avoir une action en plus du coup dans le tour. Coup de grâce. Affligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. S'il est vaincu par cet effet, piochez une carte. Si c'est votre tour, terminez votre tour. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Coup de grâce, ça évidemment c'est cool quand on veut buter des mobs. Choisissez soutien contrôlé par un escalator dans votre lieu, doublez le nombre de pions munitions de ce soutien. That's interesting. Donc ça c'est cool pour récupérer des munitions. Et vu qu'on va jouer beaucoup avec des pistolets, c'est vraiment ce qu'on veut ça. Ensuite là-dedans, il y a plein de choses qu'on veut. Il y a plein de choses qu'on veut ici. Astuce, on s'en fiche. On joue pas à pied, on joue pas livre. Présence d'esprit, ça c'est toujours cool. Parce que du coup on gagne une action en plus. Opportuniste, je suis pas fan. Prest, c'est peu probable qu'on arrive à réussir de ce genre de test. Retournons voir les Retournons voir les soutiens que l'on pourrait ajouter à notre deck. On a 9 PV, donc la veste en cuir n'est pas forcément utile. On peut prendre une autre arme, ça c'est totalement possible. Aller chercher une autre arme, peut-être un truc un peu moins cher, pour être sûr de pouvoir la jouer. Pour gagner de l'argent, on s'en fiche. Le coup dur peut-être, mais après en version améliorée, le coup dur il coûte combien? Où est-ce qu'il est le coup dur? Le là, ça coûte 2. Enfin, ça coûte 4. Le bon coup dur il coûte 4. Et ici, du coup, ouais, c'est ça, c'est la même. Je vais quand même le mettre de côté, mais c'est pas forcément ce que je veux tout de suite, le coup dur. Voilà, tiens, je vais pas échapper aux ennemis.
Relation influente, je vais en mettre un parce que ça peut être intéressant de gagner des stats en fonction du nombre de ressources qu'on a. Vu qu'on... Je sais pas si on va être réellement dépensier ou pas avec ce deck. Échapper les murs, on veut pas forcément échapper les ennemis, on veut juste les tataner. Si je sais qu'on peut ajouter, c'est quoi la custom de des rogues? C'est quoi les cartes custom du rogue? C'est ça, c'est le témoignage accablant. Ça fait quoi le témoignage accablant? Quel témoignage accablant, et choisissez un ennemi dans n'importe quel lieu, enquêtez dans votre lieu, encadré ici, vous avez le droit de dépenser une preuve pour découvrir un indice supplémentaire. Donc c'est vraiment que on a recherche, preuve fabriquée, chantage, extorqué, surveillé, démasqué. Okay, c'est vraiment c'est que de l'enquête quoi. C'est que de l'enquête. Très bien. Y'a rien d'autre ? Ça. Les amis des bas-fonds. Regardez 6 cartes du dessus de votre deck. Pour chaque carte consultée en le trait choisi, vous avez le droit de dépenser une ressource pour l'ajouter à votre main. Ah oui, après je choisis les traits. Inscrivez un trait. Et c'est de la pioche quoi. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on a quoi en arme à feu? Arme à feu, effectivement. On a objet plutôt. Objet, objet, objet. Ça peut être intéressant ça. Mettre dans un coin. Il y a un monde dans lequel c'est intéressant. Ok, et en fait, je vais également mettre une nouvelle arme. Ne serait-ce que pour me dire, ah oui, c'est vrai, cette arme-là, faut que je la change. Donc le Colt, il est plus 1 et cette attaque plus 1. Afin du round, défausser le Colt de poche. Ah oui, bah non. C'est pas ça qu'on veut. L'automatique sera plus. Ouais, mais ça coûte cher encore ça. Ça reste quoi. J'ai pas envie de prendre le. J'ai pas envie de prendre le cran d'arrêt, c'est mort. Quoique, le point américain inflige plus 1 dégât, l'ennemi gagne riposte pour cette attaque. Avec 5 de points, c'est plus intéressant ça. Hop. C'est plus intéressant déjà ça. Très bien. On a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Ok. 26 sur 30 et on n'a pas encore cherché nos 10 cartes off perk. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc entre bleu, jaune ou rouge, j'ai le droit d'aller chercher. Enfin je choisis bleu, jaune ou rouge et je prends 10 cartes événements. Jusqu'à 10 cartes événements. Niveau 0 à 1. On va regarder déjà bleu. Bleu, bleu, bleu. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? On va faire le ménage. Combattre, gagner de ressources. Ça c'est cool.
ça va vraiment être du combat quoi. Là le but c'est ça, ça va être combattre, combattre, combattre. Est-ce qu'on a ça? On a l'inverse de occupe-toi de ça du coup, qui est là, donne-moi le truc et je le teste avec plus 2. Ce qui peut être intéressant avec notre stat de... Bah ben oui, en fait, ça peut être intéressant avec notre stat de tête ou notre stat de pied. Non péri, d'avoir un oiseau. Ok. Si, ça peut être cool. Ça peut être du support, du coup. Ça fait... Ouais, ça fait deux d'intéressantes. La preuve, on s'en fout parce que c'est pas nous qui allons récupérer les indices. Se préparer au pire pour chercher nos armes. Ouais, je pars bleu. Je vais même pas regarder ce qu'il y a chez les rouges, je pars bleu. Je peux prendre la dynamite, ouais. Et je peux prendre le coup vicieux, bleu. Bleu, 100% bleu. Donc du coup, bleu, il nous faut. Coup vicieux. 2. J'en prends une. Telle est la question. Écoute, on va en prendre deux pour l'instant et on fera les tests. 4. Parce qu'il était c'est 6. 8. J'en aurai une dernière. Pourquoi t'es tout seul toi? Pourquoi est-ce que vous êtes tous les deux seuls hein? C'est ridicule ça. Je vais avoir un souci dans mon rangement, c'est pas grave. Il me manquerait deux si jamais je voulais le total, mais est-ce que je veux vraiment le total? Là est la question. En termes d'alliés, j'ai qui? J'ai que Léo. J'ai que Léo, c'est tout. Et je suis même pas encore à regarder dans les cartes grises. Hein. Donc on va s'arrêter là pour les événements et les compétences bleues. Ah si! Je peux prendre ça, prendre l'initiative. Hop. Parce que plus 3. C'est toujours bien, plus 3. Le reste, ça sert à rien. Alors, ouais, détermination. C'est pour les PV. On est à 14. Donc au bout de 4 dégâts, on perd déjà le... Je remplace le prendre initiative par de la détermination. Parce que ajouter de la tête, c'est vraiment intéressant. Il me faut ça. Qu'est-ce qu'on va prendre avec ça? On va prendre plein de choses avec ça. Il nous faut planque pour de l'argent. Une sorte de planque. Avec ça, il nous faut du cran. Notre stat de tête, il va nous falloir du cran. Pas besoin de maîtrise, on a déjà assez avec le coup vicieux. Ça c'est level up, on va pas les voir. Allez, multiclasse, qu'est-ce qu'on a en multiclasse? On peut aller chercher que les verts, donc c'est-à-dire le Thompson. Mais on a le Thompson amélioré qui pourrait être intéressant, mais même on a mieux que le Thompson, on a le... Le double canon. Donc le double canon est plus intéressant. Le whisky du Tennessee peut être cool. Gagner whisky Tennessee et, gagner, et dépenser une provision. Et gagner plus 2 de tête pour un test de compétence d'une carte traîtrise. Je mets le whisky du Tennessee.
ça c'est les améliorés, on s'en fiche. Et ça c'est les faiblesses, on verra ça à la fin. Très bien. Bon, bah maintenant on va falloir faire du tri. On en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. J'ai 12 cartes en trop. J'ai 12 cartes en trop. Donc, comment on va réfléchir ça? Il nous faut déjà réfléchir qu'est-ce que fait notre deck. Notre deck fait des dégâts. Qu'est-ce qu'il a dedans? Et là pour faire des dégâts au mob. Donc les dégâts, c'est le Mother. Les dégâts, c'est les coups de poing américains. Les dégâts, c'est les coups de grâce. Non, ça c'est plus de l'économie. Non, c'est plus du dégât même si ça fait du support. Les dégâts, c'est le coup vicieux. Les dégâts... C'est surtout ça les dégâts en fait. Voilà, ça c'est surtout les dégâts. En vérité, en plus des dégâts, on a ça, puisque ça, ça nous permet... Un autre truc, ça nous permet d'aller chercher les cartes qu'il nous faut. Qu'est-ce qui nous permet d'aller chercher les cartes qu'il nous faut, à savoir nos armes? Donc il y a ça. Il y a ça. Il y a... Techniquement ça, mais ça on va aussi le mettre en duo pour autre chose. Il y a ça. Ok. Il y a ça évidemment. Et du coup il y a ça. Mais ça, ça nous permet également autre chose. Ça, ça nous permet de la survivabilité face au deck rencontre. Face au deck rencontre, donc on a ça, on a ça. On a ça qui permet aussi de faire des dégâts. Qui nous permet de survivre face au deck rencontre, c'est sous ça. Il y a ça aussi qui nous permet de survivre face au deck rencontre. Et après, il nous faut de l'économie. Donc, l'économie, on a ça d'économie, on a ça d'économie, on a ça d'économie, on a ça d'économie. D'accord. On a ça d'économie aussi, ça me permet d'avoir de là. Et on a ça d'économie, mais ça c'est plus pour les munitions. Ensuite on a les actions sup, donc avec Léo Deluca et présence d'esprit pour des actions supplémentaires. Et ça c'est du déplacement, donc c'est plus ou moins du soutien, de la mobilité. Et le coup dur c'est compliqué. Donc, juste des points bonus, mais avec les points, mais les points bonus on les a déjà avec, avec détermination et avec le coup vicieux. Qui est caché, qui est là. Donc sachant cela, sachant que le coup dur en fait est nullifié par le coup vicieux et la détermination, ainsi que la présence d'esprit, on va pouvoir s'en débarrasser. Il faut se débarrasser de 12 cartes, ça fait déjà 2. Ensuite, on a beaucoup d'économies. Beaucoup, beaucoup d'économies. On a beaucoup d'économies, mais on a un truc qui permet d'utiliser l'économie. Un seul trait que je choisis avec ça ou quoi? Quand vous achetez à mini-bafon, choisissez inscrivez un trait.
J'imagine qu'après je peux aller chercher, je peux laisser un autre trait. Est-ce que c'est bien ou pas? Ça je ne sais pas. J'aurais tendance à enlever faire le ménage parce que du coup on peut pas combattre avec nos armes avec ça. Et c'est quand même pas ce qu'on veut. Donc hop, 4 de retirer. Quand je regarde les slots, donc les mains sont pris par ça. Par le Mauser, le coup de poing américain et le pistolet. Donc, nos mains sont pris par ça. Le coup est pris par le porte l'étui. Léo de Luca prend la place du de l'allié. On n'a pas de d'arcane de prix, mais c'est pas très grave. Où est-ce qu'elle était la deuxième custom? Est-ce que j'ai mis la deuxième custom? Non, avec une seule custom que j'ai gardée du coup. Ah oui, est-ce que l'autre c'était enquêté? L'autre c'était enquêté. Donc j'ai que ça. Hop. En fait, faut voir l'utilité du machin. Parce que si je mets le trait objet, ça pour pêcher quoi? 6 cartes. Dépenser une ressource pour la mettre dans ma main. Alors que à côté, j'ai se préparer au pire et c'est 9 cartes et je prends les armes. Et je prends une arme gratuitement. Ah non, c'est pas gratuitement parce que ça coûte une ressource quand même. Là, ça coûte 0. Enfin, ça coûte aussi une ressource du coup de prendre ce que je veux. Et on a quoi utile? Vous avez le droit de choisir un autre indicateur dans votre lieu pour qu'il résolve ses effets à votre place. D'accord, Osef. Quand vous choisissez on peut choisir un autre trait stimulant. Chaque carte ajoutée à votre main par Mizoga gagne une icône point d'interrogation jusqu'à la fin de la phase. Ok, Osef. Au lieu de mélanger les cartes restantes dans votre deck, vous avez le droit de placer chacune d'elles sur le dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Ça peut être intéressant aussi. Prompt, ami des bas-fonds gagne rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre. Ok, ça c'est intéressant. Le fait d'avoir un rapide. Et là du coup, ça devient plus intéressant. Expérimenter, augmenter de 3 le nombre de cartes regardées. Donc pour 5 d'XP. En gros, c'est ça. Hein. Pour 5 d'XP. C'est mieux que préparer au pire. En même temps, tu m'étonnes, préparer au pire, elle coûte 1 d'XP. Elle coûte 0. Ça, il faut qu'un pistolet, donc les. Oui, bien sûr. Si je vais regarder. J'oublie toujours. Est-ce qu'il y a un se préparer au pire level up? Oui, niveau 2. Pour niveau 2, c'est. 9 cartes et tu peux l'ajouter gratuitement. Et ici pour niveau 2. Pour niveau 2, c'est juste rapide. Donc ça tu dois toujours. Niveau 2, c'est rapide et tu dois toujours payer le coût. Et c'est que 6 cartes. De toute façon, j'ai pas le droit de prendre se préparer au pire. Puisque se préparer au pire est niveau 2, j'ai le droit que jusqu'à niveau 1. Donc pas possible. No can do. No can do. Ah, ça met un. C'est épineux comme choix. Bon, déjà, j'ai combien? Là, j'ai
5 munitions. Là, j'en ai 3. Une contrebande suffit. Pas besoin d'en avoir 2. Parce que du coup, c'est doubler le nombre de pions munitions sous ce soutien. Déjà, si la contrebande, en fait, faut juste faut la jouer en même temps que le Mother. Donc, déjà, ça fait 8 ressources entre les deux. Donc, une seule suffit à mon sens. Ah, quoique. Doubler, parce qu'en gros. Il y a peut-être plus intéressant que ça, en fait. Il est où, munitions supplémentaires ? À moins que ce soit une carte de level 1 ou level 2. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être une carte de niveau sup. Ouais, et niveau sup, du coup, elle coûte combien ? Ça peut être une alternative pour l'instant. Ça coûte... Ah, ok, c'est 1. Placer 3 munitions sur un soutien arme à feu contrôlé par un investigateur dans votre lieu. Ok, c'est ça. Donc en gros, je vais garder la contrebande. Et la contrebande, je la switch pour les munitions supplémentaires. Mais j'en garde qu'une seule. Ou deux. Une ou deux. Une ou deux contrebandes. Ah ! C'est compliqué ! Partir en éclaireur, derrière, ça fait aussi une agilité. C'est ça qui est cool. Donc en fait, j'aimerais bien garder les deux. Parce qu'ils ont une double utilité. Je suis à 4 cartes retirées. Il m'en manque 8 à virer. Les planques sont peut-être pas si utiles que ça. Hein. Non, c'est la relation influente qui est pas si utile que ça. Plus je regarde, plus je me dis que les relations influentes sont pas le plus utile. Loup solitaire est plus intéressant. Du gain de ressources par tour. Et derrière, si je veux gagner des plus 1 par 5 ressources... Non, ça j'enlève. Toutes les 5 ressources gagnent plus 1, sachant que là j'utilisais 4 pour des contrebandes, 6 pour les Odeluka, 4 pour les Mother. Trop cher. Hop, 6. On a fait la moitié du travail. Déjà, on peut peut-être garder les cartes qu'on est sûr qu'on ne virera pas. On est sûr qu'on virera pas le Mother. On est sûr qu'on virera pas le cran. On est sûr qu'on virera pas le coup vicieux. On est sûr qu'on virera pas Léo. On est sûr qu'on virera pas partir en éclaireur. On est sûr qu'on virera pas contrebande parce qu'on va l'améliorer contrebande. On est sûr qu'on virera pas par se préparer au pire parce qu'il nous faut récupérer des armes. Ah, quoique. Encore une fois, on a ce débat là. On est sûr qu'on virera pas les tuer à cigarette porte-bonheur parce que ça nous, c'est le seul truc en placement coup qu'on a et ça nous permet de piocher des cartes. Et piocher des cartes, c'est bien. C'est après avoir réussi un test de compétence avec une force de 2 ou plus. Donc c'est. Des tests de combat avec 5 points natifs, c'est probable qu'on les réussisse. On est sûr qu'on se débarrassera pas du coup de points américain parce qu'il faudra l'évoluer en une meilleure arme plus tard. On est sûr qu'on se débarrassera pas de laissez-moi régler ça puisque le soutien peut être est toujours intéressant dans une campagne. Et si jamais on tombe sur un test tête ou un test pied ou un... Avoir plus 2 à la stat, c'est toujours intéressant. On est sûr qu'on se débarrassera pas de détermination parce que du bonus sur la tête ou le pied ou le poing, c'est toujours bien. Et il faut, quand je débarrasse, 2, 3 cartes. Enfin, 3 sets de 2 cartes du coup. Parmi ça, du coup, il y a 3 sets de 2 cartes qui vont pas aller dans le deck. Donc maintenant, examinons chacun. Le whisky amélioré, il fait quoi? Le whisky vert. Que fait le whisky vert? Where is the whisky vert?
Voilà, whisky du Tennessee. Hop, le whisky du Tennessee. Deux provisions, ok. Un client whisky gagné plus 3 pour le test de tête. Cool. Défausser le whisky, gagné plus 3 points et plus 3 dégâts pour cette attaque. Donc si oui, il est cool. Ça permet de faire des dégâts. Et de nous protéger d'une d'une carte. Yep, hop, hop. Auquel cas je me demande. Ça le fait deux fois dans la game. Présence d'esprit, ça serait cool pour pouvoir attaquer une fois de plus dans le tour. Ça, c'est des ressources. C'est bien les ressources. Ah bah, la musique. Ah bah, qu'est-ce qui se passe? Ne dis pas que j'ai une coupure internet. Une coupure internet ou quoi? Non. Non, j'ai pas de coupure internet. Donc je ne sais pas. Au secours? Non, non, j'ai pas de coupure. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Et... la musique! S'il vous plaît! S'il vous plaît! C'est... ok, c'est revenu! Pas de soucis. Gagner de l'argent avec les mobs. On peut gagner beaucoup d'argent avec les mobs. Et c'est quoi ça en fond? C'est leur PV? Leur valeur de vie. Donc la value va aller en grandissant du coup. Parce que les mobs avec beaucoup de PV sont à la fin des scénars. Ou ce qui était ici, je le prends. Ça, je le prends. On enlève la planque puisqu'on a assez de ressources. Et si on nous manque de ressources, on trouvera un moyen. De toute façon, on est vert. Je veux dire, on est vert. S'il y a une classe qui est faite pour gagner de l'argent, c'est les verts. Donc on n'a pas besoin d'une planque. Donc paf, on enlève la planque. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il y a encore deux cartes à virer. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de virer, coup de chance? Une carte. Avec un coup de grâce sur un ennemi qui a des deux primes, ça rembourse la carte. Et là, on va plus que les objets, parce qu'on peut aller chercher... bah, on va plus que les armes à feu, parce qu'on peut dire objet. Et si on dit objet, on a ça, 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 ça. Voilà, on a tout ça qui tombe pour objet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a presque un tiers.
presque un tiers du deck. Une chance sur trois à chaque fois qu'on joue cette carte de piocher au moins un objet qui nous est utile. Parce qu'ils nous sont tous utiles. Ils sont tous utiles. Ok, il n'y a que deux armes dans ce tas. Enfin, trois techniquement avec le whisky. Mais voilà quoi. Non, en plus, on en a deux de plus hein, avec ça. On a ces objets aussi. Donc. Ça. Ça dégage. Et on va prendre ça à la place et on va inscrire le trait objet. Il va me falloir un léger post-it pour marquer tout ça. Paf. Déjà, je vais débarrasser de la partie collante. Tac. Et pour que ça rentre dans une sleeve. Tac, parfait. Ce sera assez. Donc bam. Donc ça part dans le deck. Oui. Ça aussi ça va dans le deck. Ça va dans le deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. On a les 30. J'ai peut-être une épiphanie. Le coup vicieux niveau level up, il coûte combien? Il coûte 1 ou il coûte 2? Il coûte 2. On peut pas le prendre. Donc, si ce test de compétence est réussi pendant une attaque, cette attaque inflige plus un dégât. Donc un dégât ou un dégât avec des ressources qui peuvent revenir. Hop, le choix est fait. Boum. Le deck de Tony Morgan est prêt. Donc on va ranger ces cartes là avant de passer au deck de Darren. Et de sleeve celui-là aussi au passage. Hop là. Qu'est-ce que c'est bien la BO de Time Splitter? Tac. Tac. Ça c'est vert. Ensuite. Hop, zéro ça. Hop là. Ensuite, on va pouvoir enlever ces deux-là. C'était des talents, donc ça va plus loin. En termes de talents, ça va être ici, c'est ça. Donc, ça coûte 2 et ça coûte 2. Et alors ça, c'est... Du coup, c'est un événement qui coûte 0. Ouais, événement qui coûte 0. Qu'on a rangé là-bas. C'est ça. Ici. Tac. Alors. Qu'est-ce donc? Non, c'est bon. J'ai cru que j'avais déjà des sleeves là-dedans. Ah, c'est parce qu'elles sont pas... Ah, elles sont rangées comme de la merde. Ah, tout va bien. On va se débrouiller. Alors, on va sleeve tout ce bordel. Alors, en fait, non, il m'en faut qu'une seule. Non, il m'en faut deux, c'est vrai. Parce que les deux sont pas les mêmes. Mais comment je vais les définir après? Comment je vais les différencier, du coup?
On va estimer. De toute façon, je vais mettre le même pour les deux, donc on va estimer qu'il n'y en aura qu'une seule. Ah merde, il me faut des clears aussi. Mince. Où est-ce que j'ai foutu mes sleeves clear? On verra ça après. On va déjà sleeve ça. Hop. Et après, on pourra faire le deuxième deck. Oh, c'est de bonne loi la musique là. C'est Notre-Dame ça. La musique du niveau Notre-Dame. Je suis moi-même plus fan de la musique du boss de Notre-Dame Timesplitter 2. Bah attends, ah bah on peut la mettre. La musique du boss de Timesplitter 2, où est-ce qu'elle est? Bah elle est juste là. Elle est trop stylée. Tu te bats contre Méphistophélès qui prend toute la place dans la cathédrale Notre-Dame, alors que toi t'es au niveau du premier étage, hein, et tu dois lui tirer dessus avant qu'il pète tout. Et qu'il te tue. Timesplitter 2, c'est trop bien. Tac, tac. 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 Où est-ce que j'ai mis les clears? Je réfléchis où est-ce que j'ai mis les clears sleeve. Je les ai mises dans une boîte Marvel. Je les ai mises dans ma boîte Marvel, l'ombre au titan fou. Donc il doit être juste à côté. Ok, on va aller voir ça tout de suite. Il faut aussi que j'ajoute du coup les deux Colts de Tony. Ainsi que la proie de Tony. Et on garde une sleeve pour la faiblesse de tout à l'heure. On a également donc ça et ça. J'ai comme qui dirait oublié quelque chose. Je m'inquiéterai de ça plus tard. Je vais juste chercher ma boîte d'ombre titan fou. Donc attention, on passe en chargement. Ah, faut que je bouge un petit peu les trucs à côté de moi. Que je cherche un peu à gauche, à droite. Elle est planquée là. Ya! Au secours! Aïe! Ça fait mal! Oh, Planète X! Trop bien, Planète X! Tac, tac, tac. Alors, moi, ce qui m'embête là, c'est que j'ai l'impression d'avoir laissé passer la mini-carte dans un coin qui aurait pas dû passer. Ça m'énerve. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a la rediffusion, donc si jamais elle est passée dans un coin, je vais pouvoir la voir. Je vais devoir aller regarder la rediff en fait. Mince alors. Je vais être obligé d'aller voir la rediff. Comment je fais? Faut que j'aille sur ma chaîne qui est en live. Alors déjà, paf, on peut revenir ici. Ensuite, le studio vidéo. Ah, je peux pas la regarder pendant qu'elle est en... Oh, aucun fun. Twitch, c'est aucun fun. Bon, on regardera ça plus tard. C'est pas important pour l'instant. De toute façon, la carte n'est pas perdue.
il nous faut une sleeve clear pour pouvoir mettre les amis des bas-fonds. Et donc les traits, enfin le trait, ce sera objet. Pour l'instant, c'est objet et on ne n'a rien de plus à ajouter, donc c'est juste objet. Allez. Tac. 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 Mais vraiment, je... j'ai un doute, quoi. Je sais pas où est-ce qu'elle a pu tomber. Elle a dû glisser dans un coin. On la retrouvera tout à l'heure. Alors, je mets le deck de Tony de côté. Je range ça. Je range ça. Et je vais ranger celle-là également. Et ensuite, on va pouvoir passer au deuxième deck. Second deck, Darrell Simmons. J'ai envie de découvrir un petit peu Darrell Simmons. On n'arrête pas de me dire qu'il est trop bien, qu'il est trop fort, qu'il fait le taf d'un seeker mieux qu'un seeker. Alors, Darrell Simmons, comment il fonctionne? Alors, 2 de tête, 5 de livre, 2 de poing, 3 de pied. Voici Darrell Simmons, le reporter. Le photographe, pardon. C'est, il est reporter photographe, c'est ça. Vous commencez la partie avec le Kodak. Donc on a le Kodak en jeu directement, qui est ici. Rapide, lors d'un test de compétence dans votre lieu, dépensez une preuve d'un soutien que vous contrôlez, diminuez de 2 la difficulté de ce test. Limite d'une fois par test. Le signe des anciens, placez une preuve sur un soutien que vous contrôler. Ok. 6 de vie, 8 de santé mentale. On est sur des statistiques assez classiques. Le Kodak de Darrell, du coup, après qu'une carte ennemie ou traîtrise est entrée en jeu, inclinez le Kodak et placez une ressource prise en hasard de pion sur cet ennemi ou cette traîtrise en tant que preuve. Lorsque vous avez découvert n'importe quel nombre d'indices, déplacez vers le Kodak Darrell le même nombre de preuves qui sont sur des ennemis ou des traîtrises dans ce lieu. Oh, risqué. Et donc après, ces preuves, on peut les utiliser pour diminuer la puissance, la difficulté des tests. D'accord. Et ensuite, on a pellicule fichue. Révélation, retirer un total de 4 preuves parmi des cartes que vous contrôlez. Pour chaque preuve que vous ne pouvez pas retirer, cet effet, subissez une horreur. Ok. Et ensuite, nous avons taille de deck 30. Carte survivante de 0 à 5. Carte chercheur de niveau 0 à 2. Et neutre de niveau 0 à 5. Donc en fait c'est voilà, c'est un rouge-jaune 5-2. Très bien. Alors, on aura le droit de jouer jaune. C'est bien ce qu'on veut, donc ça va être le clou. Il va devoir chercher des indices. Et son délire à lui, ça va être de baisser la difficulté des tests. Plutôt que d'augmenter sa propre stat. Et sa propre stat qui est de 5. Stat en livre de 5, ce qui est pas mal. Mais le but ici va être plutôt de diminuer la difficulté des tests plutôt que autre chose. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? En tant que rouge, il a accès déjà à pas mal d'équipements assez intéressants. Le premier étant le vieux porte-clés. Votre lieu perd moins 2 de valeur occulte pour cette enquête. Donc ça c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut avoir d'autre? On veut pas forcément d'armes ici. On veut de la protection parce que à 5 de PEV, on veut aussi un truc qui permettrait de nous échapper au cas où Tony ne puisse pas venir nous sauver en temps et en heure. Donc il faut quand même se surpasser, peut être intéressant parce que ça monte le pied et la tête, c'est exactement les deux stats qu'il nous faut. Pied et tête, pourquoi pas. Partir perdant aussi.
Quand vous initiez un test, augmentez de 2 la difficulté de ce test, gagnez 2 ressources et piochez une carte. C'est de l'économie, c'est des cartes à piocher. Et vu le passif de Darrell, non, normalement ça devrait pas poser de problème puisque on va être constamment en train de diminuer les difficultés de test. Qui sont... On a le catalogue de Schaffner. 5 secrets, s'il n'y a pas de secret dans le catalogue, défaussez-le. Vous avez le droit de dépenser des secrets du catalogue de Schaffner en tant que ressources pour payer des soutiens objets. Joué par n'importe quel escalator dans votre lieu. Ok. Intéressant. Ça dépend le nombre d'objets qu'on aura. Je vais le mettre de côté, mais ça dépend le nombre d'objets qu'on aura. Cacher son jeu, ça serait pour un deck pas beaucoup d'argent, mais je suis pas forcément fan d'un deck Few Money. Enfin, surtout avec Darrell, quoi. Bandage. Alors, c'est soit on prendra des bandages, soit on prendra, et je pense qu'on ira plutôt vers ça, le manteau de cuir. Voilà, pour gagner 2 PV, c'est toujours bien. Et j'aurais tendance à partir sur Madame Labranche plutôt que Peter Sylvester cette fois-ci. Madame Labranche, si vous n'avez aucune carte dans votre main, inclinez Madame Labranche et piochez une carte. Si vous n'avez aucune ressource, inclinez Madame Labranche et gagnez une ressource. Ensuite, qu'est-ce qu'on a qui peut être intéressant en coup? Sur le coup, on a aussi les jaunes. On va revoir les jaunes tout à l'heure. On va déjà sortir toutes les rouges qui sont intéressantes. Donc parmi les rouges intéressantes, on a forcément la patte de lapin. On est rouge, on aime bien échouer nos tests. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille voir rapidement quels sont les custom... Ah, what? Ah non, écoute, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'on a de custom chez les rouges? On a l'outil multifonction. Lors d'un test de compétences que vous effectuez, inclinez l'outil multifonction, vous gagnez plus 1 à votre valeur de compétence pour ce test. Ok. Ah, excusez-moi. Je crois qu'il y a de l'allergène qui s'est mis sur mes cartes. Je suis en train d'avoir des réactions allergiques. Et la dernière fois que j'ai joué à Arkham, je suis allé chez quelqu'un qui avait un chat. Et je suis allergique au chat. Donc je pense que il reste un petit peu de chat sur mes cartes. Donc, détachable. Les autres indicateurs dans votre lieu ont le droit d'utiliser la capacité d'outil multifonction. Ça c'est trop bien. Oh putain, ça c'est trop bien. Petite biche, je gagne plus 1 supplémentaire à cette valeur de compétence s'il s'agit d'un test de compétence sur une traîtrise. Ok, ça c'est vraiment super cool. Vous gagnez plus 1 supplémentaire de la compétence s'il s'agit d'une attaque, d'une évasion, d'une enquête. Porte-bonheur, après avoir échoué à un test de compétence, redressez l'outil multifonction. Capacité de l'outil multifonction est maintenant une capacité dont la condition de déclenchement est quand vous devriez échouer un test que vous effectuez. Ok, l'outil multifonction vient. Gratuit. On veut l'outil multifonction. On a ça aussi, le piège rudimentaire. Utilisation 2 fois. S'il n'y a pas de fois sur ce piège rudimentaire, défaussez-le. Chaque ennemi non élite dans le lieu perd moins un combat ou moins un d'évasion. Okay, donc ça c'est plus du combat, c'est pas notre rôle. Et je crois que normalement j'ai une... Voilà, la raillerie. Inné développé, personnalisable. Quand vous achetez Raillerie, choisissez 2 traits et inscrivez-les sur sa fiche amélioration. S'il s'agit d'un test de compétence sur une. 3 ou 12. Donc choisissez 2 traits et inscrivez-les sur la fiche. Ok. S'il s'agit d'un test de rencontre sur ou contre une carte de rencontre, y compris combattre, s'échapper ou discuter, Raillerie gagne 2 points d'interrogation pour chaque trait choisi que possède cette carte rencontre. Ok. Peut être intéressant. Donc on peut ajouter des traits. Si j'ai un test de compétence sur un
ou contre un ennemi doté d'un trait choisi. En cas de réussite, vous avez le droit d'attacher et aérer à cet ennemi, diminue de 1 la difficulté de test contre l'ennemi attaché. S'il s'agit d'un test de compétence sur une traîtrise dotée d'un trait choisi. C'est plus pour le combat, ça en fait. Plus qu'on pour le combat et la fuite. Pas forcément fan. Moins que l'outil multifonction en tout cas. Alors. Évidemment, dégourdi. C'est. Il n'y a même pas à réfléchir, dégourdi rentre dans le deck. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Se montrer à la hauteur. Uniquement au moins deux adverses de compétences de base. Bah avec partir perdant. En fait, montrer à la hauteur avec partir perdant, on augmente de 2, et puis après, avec nos clés, nos autres machins, on va diminuer de manière multiple. Bon, faut qu'on puisse déjà de diminuer. C'est ça la difficulté. Retournons ici, du coup. Retournons voir ce qu'on voulait ajouter. J'ai quoi qui prend mes mains là actuellement? J'ai l'outil multifonction et le vieux porte-clés qui prennent mes mains. Est-ce qu'il faudrait pas la... C'est un outil. Et ça, c'est un outil, évidemment. Si la loupe est un outil, peut-être que la sacoche à outils pourrait être intéressante. Pour avoir plusieurs outils sur soi. Ça aussi, c'est un outil. Car ici, vous n'avez pas de ressources dans votre réserve de ressources, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Ça c'est pour un deck pauvre, donc ça c'est bien avec un cachet sans jeu, ce qui n'est pas le cas ici. Grappiller des provisions, c'est bien. Pour un premier scénario, grappiller des provisions, c'est bien. Peu importe ce qu'il arrive. On allait chercher les cartes niveau 0, ça défausse. C'est toujours bien. Si on a perdu le manteau en cuir, par exemple, ou si on veut récupérer des gourdis, encore une fois, par exemple, c'est. Voilà, c'est assez ouf. Ça devient de moins en moins intéressant au fur et à mesure de la game, mais pour l'instant, c'est très intéressant. Avec les moyens du bord pour diminuer l'enquête. Le chanceux, évidemment, pour augmenter ses chances de réussir des tests. Ce que j'ai trouvé,
Ok, donc ça c'est bien. Le guet-apens aussi. En fait, le guet-apens, ça peut être utilisé en tant que alternative à la vitesse de merde, comment ça s'appelle ? Enfin, la carte verte de Tony du coup. Parce qu'on peut l'utiliser comme agilité, mais on peut également l'utiliser comme se débarrasser de l'ennemi, quoi. Après, c'est seulement un test d'agilité. En agilité, on a 3, donc c'est plus ou moins dead. Volonté de survivre, ça coûte trop cher. C'est cool, mais ça coûte trop cher. Alors, ça, du coup, ces deux-là. Rapide, à jouer avant de révéler un pion KO lors d'une attaque ou d'une tentative d'évasion que vous effectuez, et uniquement sa difficulté de ce test est actuellement de 0. Ce test réussit automatiquement, au lieu d'appliquer les effets normaux de ce test, défausser l'ennemi à attaquer ou auquel vous échappez. Est-ce qu'il n'y a pas la même chose pour... c'est ce que je veux dire, voilà. À jouer avant de révéler un pion KO lors d'une enquête que vous effectuez, uniquement si la difficulté de le test est actuellement de 0. Ce test réussit automatiquement, vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu et un indice supplémentaire dans n'importe quel autre lieu. Allez hop, ça rentre dans le deck. Diminuer la difficulté, toujours. Faut regarder les cartes de l'extension Clé Écarlate, c'est elle qui diminue la difficulté des tests. Donc là. Non, là. Révélation, s'il n'y a aucun ennemi en jeu, piochez une carte. Sinon, vous devez décider. Chaque minion engagé se déplace une fois dans la direction de l'investigateur le plus proche. Chaque investigateur se désengage une fois. Comment ça? Ah oui, c'est quand on la pioche du coup. Révélation. Piocher une carte. Sinon, donc chaque ennemi non engagé se déplace une fois en direction de l'investigateur le plus proche. Chaque investigateur se désengage de chaque ennemi engagé avec lui et se déplace une fois. Ok. Ça peut être intéressant. Ah non, mais ça, on l'a déjà écouté celle-là. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les clés écarlates. Le bouclier improvisé. Mais bof. Ok, très bien. On va se fixer là-dessus, je pense. Et on va aller voir maintenant. On va aller voir du côté des cartes jaunes maintenant. On a le droit à 0 à 2, c'est ça? 0 à 2 les cartes jaunes. Donc la loupe. Voilà, la loupe. On va aussi regarder du coup les custom. On va d'abord regarder les jaunes custom. Qu'est-ce qu'on peut trouver? On a ça, la distillation alchimique. Piocher 2 cartes, gagner 2 ressources. Soigner 2 dégâts, soigner 2 horreurs. Placer une charge ou un secret sur un soutien contrôlé. Se déplacer jusqu'à 2 fois. 2 provisions supplémentaires. Augmenter de la difficulté. Non, ça coûte cher, ça coûte beaucoup trop cher. C'est très fort. C'est très très fort, mais pas pour nous. C'est pas le deck qu'il faut pour. Mais c'est très fort. Hypothèse empirique.
Au début de ce round, choisissez un des critères suivants. Pour ce round, vous échouez à un test avec une différence de 2 ou plus. Vous réussissez un test avec une différence de 3 ou plus. Quand le critère choisi est rempli, vous avez le droit d'incliner l'hypothèse pour y ajouter une preuve. Ok, ça c'est bien. Les preuves. Parce que du coup, lors d'un test de compétence dans votre milieu, dépensez une preuve d'un soutien que vous contrôlez. Et ben, on va prendre l'hypothèse empirique. On pourra mettre du coup 2 points d'XP dedans. Donc après on pourra regarder effectivement. Donc soit on met une stat à 2 points d'XP, soit on met 2 stats à 1 point d'XP. Okay. La plume et le corbeau. Ok, personnalisable. Quand vous achetez la plume et le corbeau, nommez un soutien livre ou sort. Bah non, du coup on s'en fiche. On n'a pas de livre, on n'a pas de sort. C'est pas pour ce genre de deck qu'on fait ça. Ok. Donc on pourra... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Analyse subtile. Est-ce que analyse subtile serait intéressant? Je ne sais plus. Il faut que j'aille revoir combien coûtent les trucs analysés. Si ça coûte 3, c'est trop cher. Ça coûte... non, c'est une identifiant qu'on s'en fiche. Ça coûte 4, c'est trop cher. Ça coûte 3, c'est trop cher. Voilà, tout est trop cher en truc identifié en fait. Un manuscrit, voilà, tout ça, tout est trop cher. Ça coûte 4, c'est trop cher. Donc c'est un nom, pas d'analyse subtile. Qu'est-ce qu'on veut? On veut pas mal de choses en vérité. Réfléchissons. J'ai du soutien de cou. J'ai la patte de lapin en soutien de cou. Qu'est-ce qu'on définit la difficulté d'un test? Faut que j'aille regarder sur Arkham Horror. Alors du coup, Horror à Arkham, difficulté de test. Est-ce que la difficulté d'un test, c'est la différence entre notre... Ah non, c'est la difficulté du test, c'est c'est le chiffre en fait. Difficulté de test, par exemple un ennemi qui a 3 de points, c'est une difficulté de test de 3 du coup. Ok. Donc au final, c'est pas ouf. Plusieurs compétences. Ok. Enfin, parce que moi je pensais que du coup c'était ça aurait pu être la différence entre les deux. Genre par exemple, on aurait pu avoir des difficultés de moins 1. Ah mais non, ça ferait un peu bizarre effectivement. Ça fait sens. Ok. Ok. Donc du coup non, pas forcément intéressant. Qu'est-ce qu'on veut là-dedans? On veut Milan. Évidemment qu'on veut Milan. Il nous permet de faire mieux notre travail et d'être payé pour notre travail. Parce que comme tout bon scientifique, il sait que à chaque travail mérite sa peine, sa cause. Je me suis trompé dans ma phrase, mais vous avez compris. La loupe, évidemment, qui est un outil. Donc un outil de plus. Pourquoi j'ai qu'une loupe? Where is the second loupe? Ah non, si je l'ai pas mise là-bas, la deuxième loupe quand même. Même pas un animal à ce point-ci. Il y a trois loupes là-dedans, non? Il y a trois loupes, ok, elle est où? Elle est là. Hop. Donc les loupes, évidemment que c'est très important des loupes.
j'utilise connexion avec le chat, c'est fou. Hop. Je dois pas avoir des problèmes de connexion de chat, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bordel là? Alors, l'appareil photo à soufflet, c'est aussi un outil. Attends, faut que je vois comment cette carte fonctionne. Parce qu'il y a... Elle est ici. C'est ça. Le ceinturon porte-outil. Chaque soutien attaché n'occupe aucun emplacement et perd le texte imprimé dans sa boîte de texte à l'exception des traits. Inclinez le porte-outil, choisissez une option attachée à la ceinture porte-outil un soutien objet qui se trouve dans votre zone de jeu. Échangez un soutien outil dans votre zone de jeu avec un soutien attaché. Ok. Est-ce que du coup c'est intéressant? On peut toujours avoir que deux outils sur soi du coup. On a les clés qui vont diminuer la difficulté. On a la loupe qui va constamment être là. On a... Est-ce que... Mais le couteau suisse, est-ce qu'il fait pas le même taf que la loupe au final? Plus 1 à votre compétence pour ce test. Il fait même mieux que la loupe. Il est plus cher, certes, et il coûte une action, certes, mais il fait mieux que la loupe dans le sens où la loupe elle donne juste plus 1 de livre. Là, c'est plus 1 tout le temps. Enfin, c'est plus 1. 1 à 1 test. Ah ouais, non, si. Il y a quand même de la différence. Il est quand même bien l'outil multifonction, même si on... il marche qu'une fois par tour. Mais. Ah, la loupe, quoi. La loupe. Ça nous fait combien d'outils là, actuellement? On est à 3 outils. On a 3 outils donc est-ce que c'est vraiment utile dans le sens où dès que le porte-clés ne marche, n'a plus de clé en fait, je peux faire rentrer la loupe. Parce que le porte-clés est plus intéressant que la loupe puisque ça fait un moins 2. Là on a juste plus 1. Mathématiquement moins 2 c'est mieux que plus 1. Les maths. Mais du coup ça voudrait dire que... Si en fait tu mets d'abord ton porte-clés, tu le luses jusqu'à la moelle et dès que t'en as plus tu passes sur la loupe. Mais auquel cas t'as pas besoin d'avoir le ceinturon porte-outil. Puisque t'auras constamment que deux outils en jeu. À moins que... Non, l'appareil ne prend pas d'emplacement de main. Donc déjà ça c'est cool. Fais ça de moins... Ça de moins à penser. Which is good. Real good. Okay. Ah oui, on était en train de réfléchir à si on met l'appareil à soufflet. Alors c'est difficile de mettre des preuves par contre sur l'appareil à soufflet parce qu'il faut vider les lieux. Il faut vider les lieux pour pouvoir mettre des preuves sur l'appareil photo à soufflet, donc ça c'est plus difficile. Je vais quand même le mettre de côté parce que c'est quand même une carte qui est forte. Maintenant, faut juste voir comment on peut l'utiliser à bon escient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les livres, encyclopédies, tout ça, c'est pas intéressant. C'est pas... Enfin, si, c'est intéressant, mais c'est pas pour nous, pas utile en soi. Outil de dissection, ça fait quoi ça? Ah oui, c'est des preuves aussi. Après qu'un ennemi ait été vaincu, placé une... Ah mais ça, faut qu'on soit avec l'autre. Faut qu'on soit avec Tony en fait pour ça. En espérant que Tony ne parte pas dans son coin. Mais c'est après qu'un ennemi dans votre lieu ait été vaincu. Et ça prend une place dans la main. Au secours, quoi. Les choix, trop de choix. Mettre de côté. Mais trop de choix, trop de choix. Quel enfer, quel enfer. Alors, qu'est-ce que le nécessaire empreinte digitale? C'est aussi un outil, et c'est trop bien, mais au secours. Tout ceci est vachement compliqué. Il y a énormément de manières, en fait, de faire notre... notre Darrel. Si je vais voir... Ah, attendez. Du coup, je cherche un truc. Hop!
pas ça. Bon, si d'un côté ça fait la même chose, mais... Hop. Ah, il y en a deux, ok. Daryl Simmons, il y a deux R. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'il propose ici? Je suis en train de regarder du coup une decklist pour voir comment eux ils le font. Bah j'avoue que je m'attendais pas du tout à voir ça en fait. Ok, moi c'est plus ça que je veux, un truc à zéro difficulté. Que là effectivement on pense à la même chose pratiquement la même chose en vérité. Yeah. Ah. Raccourci c'est bien parce que ça permet de bouger gratuitement c'est toujours cool. Ah mais c'est une intuition, bon ouais. Il y a plus simple hein. Déjà déduction. Hop. Deux déductions, probablement un Eureka aussi. Probablement un Eureka. Pas de piocher des cartes, Eureka, c'est cool. Parce que du coup, le deck, il proposerait quoi? Alors le deck là, que j'ai à côté de moi, c'est un deck qui part du principe qu'il faut mettre tout à zéro difficulté. Qui est-ce que je voulais faire? Moi, je voulais faire ça à la base. Hein. Je voulais mettre à zéro difficulté. Pour ça, il part avec l'appareil photo à soufflet. Alors, attendez, déjà. Avant d'aller voir un second deck, j'ai même pas fini de regarder toutes les cartes. C'est-à-dire que il me faut encore mes cartes basiques. Parce que ici, ce qu'on veut pour baisser la difficulté, c'est de lampe torche. On veut également de l'argent, qu'on va peut-être rapidement squeezer du coup. Mais on sort ça déjà. Et on veut également un cran, enfin deux crans, parce que il nous faut toujours du cran. Et en termes de cartes multiclasse, est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent être intéressants ici? Je regarde le totem peut-être. On a quoi qui prend des emplacements de coups? On a que la patte de lapin. Donc la patte de lapin, elle nous fait piocher une carte après avoir échoué un test. Et après avoir attribué une carte à un totem, un truc de compétence incliné au totem macabre, la carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'un de ces icônes de compétences de votre choix. Je préfère la patte de lapin, puisque la patte de lapin, on peut la coupler avec... Regardez ce que j'ai trouvé. Son de protection. Généralement, lors de votre tour, jetez son de protection sous le contrôle n'importe quel investigateur dans votre lieu. Quand les dégâts et ou horreurs devraient vous vaincre, défausse cet établissement et annulez jusqu'à 2 de ces dégâts et ou horreurs. Télescope peut nous permettre d'enquêter de loin. Okay.
faut réfléchir. Alors, je regarde du coup la decklist qui est à côté là. Grit your teeth. Qu'est-ce que cela propose? Alors, attendez, hop. Je dois couper le son parce que j'écoute un truc. Dernière chance, c'est quoi ça? Gumption. Dernière chance, c'est ça. Mais non, voilà, Gumption. Parce que du coup, ce qu'il propose, lui, c'est l'appareil photo à soufflet, la lampe torche, pour diminuer, effectivement, donc là-dessus, on est d'accord. Ensuite, l'hypothèse empirique, évidemment. Ça, c'est dès que j'ai vu qu'il y avait le mot preuve dedans, je me suis dit ça, c'est une carte pour Darrell. Le Kodak, mais classique. Et il propose un équipement limité et livré à nous-mêmes ici. Donc, l'équipement limité, quand le premier tour débute, défaussez 10 cartes du dessus de votre deck et livré à nous-mêmes. Quand vous jouez un événement rouge, inclinez livré à vous-même, réduisez de 2 le coût de cet événement. Donc là, c'est intéressant dans son deck à lui parce que la moitié, il a 16 événements, dont 14 qui sont des événements rouges. Donc là, ça peut être intéressant, effectivement. Et l'équipement limité, je vois dans le sens, parce qu'en gros, il a également dégourdi dans son deck. Ce qui fait qu'il peut directement aller chercher les cartes qu'il veut dans son cimetière. Sauf si les deux dégourdis passent à la moulinette directement. Ok. Il a également mis Eureka et Déduction, qui sont plus ou moins évidents à mettre. Déduction parce que ça donne des indices en plus. Eureka parce que ça permet de piocher des cartes. On est d'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'il a mis à côté? Ok, parce que du coup, on n'a absolument pas les mêmes. Faire la lumière, c'est ça. Shed a light. Donc, il a mis Shed a light. Et ensuite, on n'a absolument pas les mêmes cartes derrière. C'est que des événements qu'il a mis. Il a mis... C'est quoi ça? Grappiller des provisions? Ouais, il a mis grappiller des provisions. Il a mis raccourci. Il a pas mis ça. Et après, c'est plus ou moins tout ce qu'il a mis. C'est quoi ça? Faire avec les moyens du bord? Si, il a mis faire avec les moyens du bord, du coup. Et après, c'est que des events qu'il a mis. Je tournais voir les events rouges. Aïe! Alors, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis... Il a mis à prendre de ses erreurs. Tac, j'en mets deux. Je vais regarder. Exploiter une faiblesse. Ville diversion. Non, ça il a changé pour autre chose. C'est pour Shadow Light, ok, on va fois. Cachet à pas. Exploiter une faiblesse. Il a mis ça. Habile diversion. Il a mis ça. Véritable survivant. Mais ça, c'est après. C'est dans les événements qui coûtent 3. Est-ce qu'elle est si bien que ça, cette carte? Véritable survivant. Renvoyez 3 cartes compétences innées de votre pile de défauts dans votre main. Ah ouais! Ah oui! Effectivement, c'est pas si mal.
Ah oui, c'est. Je comprends du coup l'équipement limité. Ça fait sens. Et du coup, il n'y a pas en version 0, ça. Il n'y a pas en version 0 d'XP. Apprendre ses erreurs, exploiter une faiblesse, on l'a mis. Faire un équipement du bord, on l'a mis. Grappiller des ressources, on l'a mis. Habit diversion, on l'a mis. Serré dans le temps, c'est Shadowlight, on l'a mis. Véritable survivant, on peut pas le mettre. Et en compétence, dégourdi, dernière chance. Il me propose dernière chance, du coup. Non, il veut Gramsci. Pas de skill icon. Réduit l'effectivité du test de 2. Non, c'est pas ça, du coup, ça doit être dans celle qui coûte de l'argent. Esprit audacieux. Ah non, discernement, c'est ça. Vous avez le droit d'attribuer discernement à n'importe quel type de test tant que le discernement est attribué à un test de compétence diminue de 2 la difficulté de test. Ok, donc ça on veut. Ça on veut effectivement. Ça on est garanti qu'on veut. Donc je dirais même plus, on va mettre celle là-bas, ça, en remplacement, pendant qu'on l'a pas. Donc voilà ce qu'il met lui dans son deck. Plus du coup, livret à vous-même et équipement limité. Est-ce qu'on a un livret à vous-même niveau 0? Je crois pas. Hein. Je crois pas qu'il y ait de livret à vous-même niveau 0. Je suis même pas sûr qu'il y ait. Il y a forcément équipement limité. Si, il y a équipement limité qui est ici. Le voilà. Et livret à vous-même, il n'est pas niveau 0. Il est level up. En gros, le premier scénario va être difficile, quoi. Parce qu'en là, il me faut 6 d'XP, quoi. Enfin, 12 techniquement, si je veux les deux. Voilà, c'est ça, livrez à vous-même. Là, voilà. Ah, elle est exceptionnelle, on peut en avoir qu'une seule. Votre rescateur gagne une restriction du deck, pas de soutien qui occupe un emplacement d'allié. Quand vous jouez un événement rouge, incliné, livrez à vous-même et réduisez de 2 le coût de cet événement. Ok, je comprends. Je comprends, je comprends. Je comprends, je comprends. Je vais faire quelques ajustements sur le deck, mais je comprends où est-ce que le mec veut en venir. Mais il faut faire quelques ajustements pour ma manière de jouer. Donc, effectivement, on va faire des changements. Parce que du coup, ce qui m'a mis, c'est exploiter une faiblesse pendant une attaque ou une tentative d'évasion. On veut pas attaquer ni evade. Donc là, pour le coup, ce n'est pas très utile pour nous. Le seul intérêt, en fait, c'est quand on évade un élite parce qu'on lui évade et on lui met 3 dégâts en plus. Donc là, c'est intéressant. Mais foncièrement, dans l'état actuel des choses, moi, je ne veux pas de cette carte. Parce que je ne suis pas là pour taper. Je suis là pour enquêter. Ah, puis d'après qu'un test de compétence auquel vous avez échoué se termine. Effectuer à nouveau ce test et gagner plus 2. Et donc celui-là, c'est. Après avoir échoué un test de compétence avec une force de 2 ou moins, découvrir 2 indices. Ok. Qu'en gros, on peut échouer un test, balancer ce que j'ai trouvé, suivi de apprendre de ses erreurs pour pouvoir le refaire. Ok. Ça, échapper automatiquement à tous les ennemis dans votre lieu. Encore une fois, il y a Tony qui est là et Tony devrait pouvoir aider. Donc, est-ce qu'on veut vraiment la build diversion? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on a du coup? Donc, si effectivement on veut jouer sur le fait d'avoir beaucoup d'événements rouges, en fait c'est même pas. Parce qu'en gros ils vont compter pour 2. Bah non, même pas ça. 2, 3, donc 2, 4, 6. Il y a seulement 6 événements rouges, 7 avec ça. Il y a seulement 7 événements rouges qui vont compter. Parce que je compte pas mettre la build diversion. Donc, de là.
Donc de la réduction sur entre guillemets 6 peu de cartes. 2, 4, 6, 8. Ça fait 8 cartes et même pas forcément de la full réduction. Parce que c'est vraiment intéressant. Faut voir ça un petit peu comme dans Marvel. C'est-à-dire que on met un pouvoir de l'agression seulement si on peut toucher 10 cartes agression, quoi. Pour la réduction. Donc est-ce que j'ai pas d'autres événements rouges qui peuvent être intéressants à jouer? Genre E-Catastrophe. A tout hasard. Ou le guet-apens. Ou non, la volonté de survivre. Ok, là ça devient intéressant. Donc pas de jeton KO pour le prochain test. C'est plus intéressant que la build diversion selon moi. Ça coûte un de moins déjà. Et c'est peu probable qu'on soit engagé de par plus de un ennemi. Et le catastrophe, elle coûte combien? Le catastrophe, elle coûte 2. Quand vous révélez un pion KO qui aurait dû réduire votre valeur compétence à 0 lors d'un test, cela inclut le pion échec automatique, annulez ce pion et traitez-le comme s'il s'agissait d'un pion bleu à la place. Le catastrophe, c'est trop bien. Donc en gros c'est ça, on aura la volonté de survivre qu'on va switcher pour une catastrophe plus tard. Ou le grappier et les provisions qu'on switchera pour une catastrophe, ça dépend. Donc déjà, habile diversion, ça saute. Après, est-ce que le regard que j'ai trouvé est réellement intéressant? Dans le sens où, je m'explique. Si le but du deck c'est de diminuer totalement la difficulté du test à 0, techniquement on n'est pas censé perdre des tests. Parce que c'est ça le but. Regardez ce que j'ai trouvé, on veut perdre un test. Donc du coup partir du principe qu'on va perdre un test, c'est peut-être un peu partir défaitiste. Le chanceux, il est là pour justement, si on perd un test, on veut pas le perdre. Donc du coup on empêche de perdre le test. Ici, mon Kodak, est-ce qu'il me fait gagner plus? Que preuve? Placer une preuve sans soin ou contrôler. Il fait pas de burst. Darrell ne fait pas de burst en découverte. Donc pour faire du burst de découverte d'indice, il nous faut faire la lumière, déduction, faire avec les moyens du bord et regarde ce que j'ai trouvé. Ou nécessaire empreinte digitale. Mais là pour le coup, coup de 4. Est-ce qu'il y a une version améliorée du nécessaire empreinte digitale? Oui, elle coûte 4 d'XP. Donc on va pas le mettre. Parce qu'on n'a pas accès à la version améliorée. Moi j'ai tendance à dire que si on n'a pas accès à la version améliorée, ça sert à rien de mettre la version de base. Et vu qu'on va pas utiliser la truc d'outils, il faut qu'on parte du principe qu'on... Qu'est-ce qui est mieux entre le vieux porte-clés et la lampe torche? Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de place? Comment ça se fait que j'ai plus de place? Ouais, si j'ai encore de la place. Ah, faut arrêter de mentir. Porte-clé ou lampe torche? J'aurais tendance à dire porte-clé parce que ça coûte moins cher. Et ça fait globalement le même taf pour un de moins. Et si on échoue, on perd pas la provision. Et si on échoue, on a regardé ce que j'ai trouvé. Ou le chanceux.
Donc j'enlève la lampe torche et je remplace par un vieux porte-clés. Et du coup, pour que ça fonctionne bien, il nous faut regarder ce que j'ai trouvé et apprendre de ses erreurs. Ok. On va prendre. Où est-ce qu'elles sont? Le dégourdi pour aller récupérer des cartes rouges. Et aller récupérer du inné. On a quoi en inné? On a dégourdi en inné. Ça c'est entraîné, c'est pas inné. On a l'Eureka qui est en inné. En gros, il faut voir est-ce qu'on veut jouer le cran qui est inné. Mais est-ce qu'on veut jouer par nos propres moyens? Non, le véritable survivant, c'était ça. Véritable survivant. Renvoyez 3 cartes compétences innées de votre pile de défausse dans votre main. Donc en gros, c'est dégourdi quoi. Donc on renvoie dégourdi et. Soit Eureka, soit cran. Ou. Non, c'est tout. Soit Eureka, soit cran. Donc, c'est bien du coup. Grappiller des provisions, bah justement grappiller des provisions il va se transformer en véritable survivant au fur et à mesure. La volonté de survivre. Qui va devenir un nœud catastrophe. Bon il me faut quand même des assets à un moment. Donc le surpassé au final on va pas en avoir tant besoin que ça. Être pareil pour Madame Labranche, je préfère avoir Milana. Parce que du coup, je vais pas partir défaitiste. Voilà, j'ai quand même un jeu qui coûte pas tant que cher que ça, donc je vais quand même plutôt partir vers Milan. L'équipement limité, par contre, c'est une bonne idée. On va le mettre de côté, du coup. C'est une bonne idée pour pouvoir faire proc assez rapidement le dégourdi. Et de toute manière, on... Voilà, acheté lors de la création du deck. Il va pas servir pour le premier scénario, mais il servira à partir du deuxième scénario. Donc, c'est surtout ça qu'on voit. Le long game. Le catalogue de chez Schaeffner, c'est que pour les soutiens objets, ça. Pour l'instant, j'en ai pas. Ou j'en ai quasiment pas. J'en ai un. Vieux porte-clés, c'est tout. Il me faut une deuxième main. Et moi, je veux vraiment jouer l'outil multifonction. Bap. Oh, il n'y a que ça qui fonctionne avec un. Il n'y a que ça. À jouer avant de révéler un pion de chaos lors d'une enquête que vous effectuez, une défense est tutée de 0. Oui, c'est ça. Le partir perdant, du coup, c'est pas forcément utile. Parce qu'on veut pas augmenter les difficultés, nous. Même si ça nous permet de piocher une carte. Donc en fait, non, on veut pas ça. Par contre, on veut l'hypothèse empirique. Parce que l'hypothèse empirique, c'est des preuves. Et nous, on veut des preuves. Trop cher. Pas adapté. Il y a plus intéressant à mettre. On a combien là actuellement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Encore 8 cartes à mettre. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ok. Il y a donc 12 cartes de trop, comme tout à l'heure. On n'a plus que 8 cartes à choisir. En termes de d'économie, eh ben on a bien vu que c'était un deck qui coûtait pas cher. 1, 2, 0, 0, 0. Ah, il y a 2 cartes qui coûtent 4. Cartes qui vont diminuer de prix au prochain scénario. Et du coup, il n'y aura plus que lui qui coûtera 4. Donc,
Est-ce que c'est un deck qui a besoin de beaucoup d'économies? Je ne suis pas sûr. En fait, c'est simple. Je suis à combien d'équipements qui prennent une main? J'ai le porte-clés et c'est tout. Le porte-clés est à usage multiple. Enfin, entre guillemets, usage unique, parce qu'au bout de deux clés, il disparaît. Donc si au bout de deux clés, il disparaît, ça veut dire qu'il me faut un truc de remplacement. Il me faudrait donc deux trucs de remplacement, c'est-à-dire que parmi les trois là, il y en a un qui saute et il y en a deux qui rentrent. La loupe rentre. Parce que c'est la loupe, plus un de livre. On ne dit pas non à plus un de livre natif. Maintenant, c'est entre ces deux-là. Moi, j'aimerais beaucoup jouer l'outil multifonction. Même si l'appareil à photo nous donne des indices, il est plus facile d'épreuve. Il est plus facile d'accumuler des preuves grâce à l'hypothèse empirique que grâce à l'appareil à photo à soufflet. Donc si vous échouez un test avec une différence de 2 ou plus, ou vous réussissez un test avec une différence de 3 ou plus. Et c'est plus facile de choper des preuves avec l'hypothèse empirique qu'avec l'appareil photo à soufflet. Donc je vais prendre l'outil multifonction. Hop. Voilà. L'appareil photo à soufflet saute. Et 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ce seraient les 12 là qu'on fait sauter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6. Ah non, on a encore le droit à 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. On a encore le droit à 4 cartes. Donc ça nous rend encore à 4 cartes. Déjà on met celle-là parce qu'on veut la compétence level up. Et on a le droit encore à 2 cartes. Le raccourci est tentant. L'outil multifonction peut être utile... que pour les enquêtes. Est-ce qu'on a un truc qui diminue les trucs de tête? Il y a ça. Mais j'avoue que le champ serait tout aussi intéressant. On n'a rien qui augmente notre tête. Hein. Donc le cran serait vraiment quelque chose de bien là. Moi j'aimerais bien le cran et le chanceux, mais auquel cas il faut qu'on se débarrasse d'un truc. Ce serait peut-être faire avec les moyens du bord. Bah non, ça perd moins de valeur occulte pour cette enquête. Donc là, c'est intéressant. Encore une fois, c'est est-ce qu'on veut perdre un test. On a quand même, mine de rien, grâce à ça, et grâce à ça, on a quand même 4 cartes de burst d'indice. Donc on a peut-être moyen de s'en tirer un peu mieux qu'avec ça. Auquel cas, tac tac. Du coup le catalogue de Schiffner, pas si intéressant. Parce que ce serait juste pour l'outil multifonction en réalité. Le reste coûte 1. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. La patte de lapin va sauter, parce que du coup on veut pas perdre des tests. Le raccourci c'est dommage. C'est dommage de perdre du mouvement. Mais de toute manière les maps de la route de Carcosa sont pas si grandes que ça. Donc je pense qu'on peut s'en passer. Tac. Chez Schaffner n'est pas utile. Parce qu'on n'a pas assez d'objets qui proc. Eureka encore une fois. C'est dommage de se passer de l'Eureka étant donné qu'on va quand même brûler pas mal de nos événements. Mais on a ça qui nous permet de récupérer des cartes. Ça qui nous permet de récupérer des cartes. En cas de pépin, ça peut nous permettre de piocher des cartes. Ça peut nous permettre de piocher des cartes. Donc voilà, en gros c'est soit je prends l'Eureka, soit je prends le cran. Mais je préfère prendre le cran. Donc l'Eureka saute.
Et maintenant, c'est toujours cette question du... Regardez ce que j'ai trouvé. Si j'avais le choix, je les mettrais. Hein. Mais j'ai pas le choix. Il faut que ce soit 30 cartes max. Je peux pas aller à 32. On va faire le choix de pas le prendre. Je vais peut-être le regretter plus tard, mais je vais faire le choix de pas le prendre. Fouh ! Et B. Sacrée expérience. Donc il me faut deux post-it. Je vais couper un chouïa plus court. Je sais même pas couper droit. Tac. Voilà. Et s'il faut que je les coupe encore un peu pour qu'ils rentrent dans une sleeve. Tac. Voilà. Que splow. Il nous faut ça et ça. J'ai même pas regardé du coup, mais qu'est-ce qu'on prend? Non, si là, il n'y a pas de... Il n'y en a pas encore à prendre. Il n'a pas encore à prendre. Oh, Neo Tokyo. On aime Neo Tokyo. Et je regarde le temps du live. On est à 2 heures de live. En toute sincérité, je ne pense pas que nous allons faire ne serait-ce le premier scénario aujourd'hui. Ou du moins pas tout de suite. Peut-être dans la soirée si jamais l'envie me prend. Mais je pense qu'il faudra surtout que vous attendiez le prochain live pour que nous commencions la route de Carcosa en bonne et due forme. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai hâte de m'y mettre. J'ai hâte de jouer Tony et Darrell. Le chasseur de primes qui a reçu une étrange invitation au théâtre. Et le reporter qui veut absolument couvrir l'affaire de la plus grande pièce de théâtre parisienne qui arrive à Arkham. Hop. Cet côté, je vais rechercher le couteau multifonction aussi pour que je puisse ranger les cartes dans le classeur. Ensuite, il me faut 3 clear, hop, 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 pour l'équipement limité qui est un passif, l'outil multifonction et sa carte référence, et l'hypothèse empirique,
et sa carte référence. Peut-être mettre de l'autre côté plutôt. Voilà. Comme ça, on garde quand même vision sur. Tac. Parfait. Ça, on peut le ranger. Avec ça. Et on va. Tac. Aïe. Oh non. Hop. Si j'en ai dit, je me nomme la branche qui doit revenir ici. Tac. Ah non, c'est ça. J'ai arrangé comme ça madame la branche au-dessus. Et en fait, ici c'est l'armure. L'armure rouge qui est le manteau de cuir. Ensuite, c'est que des talents. Donc c'est plus loin, plus loin, plus loin. Voilà, ici nous avons. Partir perdant. Ensuite, deux talents qui coûtent 2. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça va être cela. Donc ça va être se surpasser et Schaffner qui est juste après. Ensuite, faut que j'aille remettre l'outil multifonction. Donc c'est main et ça coûte 3. Donc c'est main et ça coûte 3. Donc ici. Là. Après, il faut que j'aille dans les événements. Et on a... Ok, dans ce sens-là. Qui coûte 2. Regardez ce que j'ai trouvé. Ensuite, exploiter une faiblesse. Et pour 5, la vie diversion. Et c'est tout pour le classeur rouge. Ensuite, le classeur jaune. Le jaune. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on a arrangé? Alors, j'aurais pu prendre un procès forcé. Je prends pas l'apprentissage forcé, c'est un petit peu trop casse-gueule. Donc je n'ai que des équipements. Parce que j'ai des équipements qui coûtent pas cher. Non, c'est que des équipements qui coûtent cher. Coûte 2. Ok. Bah. L'appareil à souffler ici, coûte 2. L'outil de dissection ici, ça coûte 2. Voilà. Après quoi il nous faut le nécessaire d'empreinte digitale, le kit du petit chimiste. Puis on a le raccourci qui coûte 0, Zbla et Eureka. Alors techniquement la curiosité va à gauche parce que je suis un putain de maniaque, voilà. Hypothèse empirique, c'est un talent qui coûte 2. Talent 0, 2. Mais. C'est là. Talent 2. Paf. Ok. Ça, c'est bon.
Le classeur jaune, on peut le ranger pour maintenant. Et on va prendre le classeur gris pour la dernière chose. Ah, on a oublié un détail. Faut que j'aille le noter. C'est Arkham Aurore. Basic Quickness Randomizer. Voilà. On fait ça. Donc on va tirer au hasard 3 faiblesses aléatoires. Et on va en sélectionner une. Et donc on va faire ça deux fois. Une fois pour chaque investigateur. Il me faut également du coup... C'est bon, 2 et 3. Pourquoi j'ai Jet Set Radio? Mais j'étais sur une playlist Time Splitter. Comprends le concept de l'amour? Oui, mais je le comprends le concept de l'amour. C'est moi qui l'ai créé, lol. Oh, pourquoi j'ai dit ce mot? Oh, j'ai envie de mourir. Allez. Par pitié, enlevez-moi le cringe que je viens de m'imposer là. Oh, oh, bra, c'est horrible. Tac, et du coup, il nous faut également Tony Morgan qui revient d'entre les morts. Et il nous faut votre faiblesse. On va commencer par Tony. Pour prouver que je n'ai rien à mentir, voici le générateur de weakness. On va en générer 3. Donc on sélectionne tout, puisqu'on possède tout. Parti 1, 2, 3. Voilà ce que nous avons. Égoïste, hémorragie interne ou Dread Curse. Je sais pas ce que c'est. On va regarder un petit peu. C'est ici. Je vais déplacer un peu ça sur la droite. Non merde, je suis trompé de... Voilà, ça vous pouvez voir ici à peu près. Du coup, ce que nous avons, c'est ça. L'effroyable de malédiction. Donc, ajouter 5 pions Doom à la réserve du chaos. Ok. La blessure interne, elle est ici. C'est la lésion interne. Mettez la lésion interne dans votre jeu de menace. À la fin de votre tour, subissez un dégât. Pour 2 actions, on peut la défausser. Et la dernière, c'est l'égoïsme. L'égoïsme égocentrique. Multi-ironiquement, mettez en jeu égocentrique dans votre zone de menace. Vous ne pouvez ni attribuer de cartes au test de compétences des autres investigateurs, ni affecter les autres investigateurs avec des effets de cartes aux joueurs, sauf des effets qui indiquent des dégâts ou des horreurs. Ok, c'est peut-être la moins pire, mais du coup, vu que c'est la moins pire, je sais pas si c'est vraiment intéressant de la mettre. J'aurais tendance à aller vers la blessure interne, plus ça ferait sens avec Tony. Parce que Tony, bah, il a déjà combattu. Donc on va mettre à Tony une lésion interne. Tac. Et ça va dans son deck. Maintenant, on va clear. Non, pardon, select all. On va recommencer. Et on va faire pour Darrell. Une random, une deuxième random et une troisième random. Donc on a encore une fois égocentrique. On a ensuite zélé, qui est basique, trop zélé, qui est basiquement la pire, parce qu'en gros révélé, piocher la carte du dessus du deck rencontre, cette carte gagne renfort. Donc je vous la fais courte. Vous êtes à la fin de votre tour. Vous piochez une carte. Quelle est ici? Vous êtes à la fin de votre tour. Vous piochez la carte pour votre prochaine main. Cette carte vous dit que non seulement vous n'avez pas pioché de carte, mais en plus vous allez piocher 2 cartes rencontres. Ajoutez à la troisième carte rencontre du prochain tour. Voilà. Donc on va dire que non, ce sera pas celle-là. Égocentrique, bah encore une fois, elle est un peu simple. Et serment indicible, le problème, c'est que mode campagne uniquement, péril caché. Ajoutez secrètement cette carte à votre main. Si cette carte est dans votre main, quand la partie se termine et que vous êtes éliminé, vous recevez 2 points d'expérience en moins. Après avoir enquêté avec succès dans un lieu sans indice, dessus, défaussez cette carte de votre main. On va prendre le serment indicible. Parce qu'en plus, ça fait sens avec... avec plusieurs choses déjà. Cette carte est sortie, donc comme vous pouvez le voir, dans le retour sur la route de Carcosa, qui est la campagne qu'on va faire.
C'est donc une carte thématique. La curiosité, ça fait sens avec Darrell, qui est un journaliste, un reporter, qui veut tout savoir, un photographe. Du coup, il irait prendre des photos de plein de trucs. Donc, on ajoute le serment indicible à la carte au deck de Darrell. Et voilà. Donc, on a... Tac. On a donc nos deux decks qui sont entièrement construits. Et nous pourrons commencer une partie dans le prochain live. Je ne sais pas quand exactement, mais prochain live ou prochaine rediffusion. Parce que je pense que je vais pouvoir m'arranger pour que... ça va ici. Je vais pouvoir m'arranger pour que ce live soit rediffusé sur YouTube et qu'on garde une trace de l'entièreté de la campagne. Et on va tester. Je teste en physique pour voir comment ça fonctionne. Et si le physique ne fonctionne pas, je vois qu'on n'a pas assez de place ou que c'est pas assez agréable, je repasserai sur TTS pour la suite de la campagne. Donc on verra ça. Déjà, le prochain, ça c'est sûr et certain, le prochain live se fera en physique et on verra ce que ça donnera. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Passez un bon moment avec vos proches. N'oubliez pas de vous hydrater et de faire des choses bien et autorisées par la loi. Voilà, voilà. Allez, salut tout le monde.